32e jour de confinement, 32e vlog, un vlog par jour pendant toute la durée du confinement. Je me suis habillé en sport, je vais aller courir. Il fait beau, mais avant, je voulais venir voir un peu, comme tous les matins, comment va mon jardin. La mauvaise nouvelle, c'est que le pied de tomate qui s'était pris un méchant coup n'a pas. Voilà, il n'a pas passé un bon quart d'heure. Il n'est pas au top de sa forme. Ça m'ennuie un peu beaucoup. Le seul espoir, c'est que la petite racine qui, elle, était encore dans le terreau d'origine, puisse prendre. Mais ça, là, ça, c'est mort. Ça prendra pas. Voilà. Alors que les autres, bon, se portent plutôt très bien. Hop! Petit saut dans le temps. Salut, là, je suis dans le futur. Je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de regarder. Et je voulais justement rajouter un petit point concernant ce pied de tomate. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en privé et en commentaire YouTube des conseils pour le sauver du mieux qu'on pouvait. Ils m'ont dit, va récupérer ton pied et laisse-le tremper dans un verre d'eau. Il fera des nouvelles racines et tu pourras le planter. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je voulais vous le dire. J'ai été récupérer ce pied qui était en mauvais état. Il est en train de tremper. Et en effet, j'avais entendu dire ça, qu'il pouvait reprendre racine dans le verre et d'ici 4-5 jours que je pourrais le replanter. Voilà, c'était juste pour donner des nouvelles concernant ce petit pied. Allez, je vous rends à la vidéo. Alors, pour une fois, je ne vais pas arroser ce matin parce que hier, j'ai vu une vidéo super intéressante d'un jardinier. D'ailleurs, c'est quelqu'un dans les commentaires qui me l'a conseillé. Céleste, faut absolument que tu ailles voir cette vidéo. T'apprendras plein de trucs sur le jardinage. Et du coup, bah, j'ai été voir. Et en fait, la vidéo est assez intéressante. C'est un jardinier qui explique comment faire un bon potager. Et lui, il a réussi à faire un jardin avec beaucoup de légumes et beaucoup de plantes. Dans un endroit très aride où il y a très peu d'eau. Et surtout dans un endroit où la terre n'est pas si belle que ça. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à un moment, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il disait, il a habitué la fleur à se débrouiller par elle-même. Il a habitué la plante à aller chercher avec ses racines le peu d'eau qu'il peut y avoir dans le sol, dans la terre. Et en fait, pour ça, sa méthode a été un peu radicale. Ça a été de ne pas arroser tous les jours. Parce qu'en gros, il expliquait, et c'est ça qui m'a plu, il disait, quand tu arroses tous les jours, en surface, tu vas habituer la graine et les racines à simplement aller se limiter là où il y a de l'eau en fait. Elle va pas aller chercher plus loin vu qu'elle a tout à portée de main, on va dire. Alors que si de temps en temps tu la prives un peu d'eau, ça l'oblige à aller chercher en profondeur pour pouvoir survivre et du coup avoir de plus grosses racines et donc donner de meilleurs fruits et de meilleurs légumes. Et j'aimais beaucoup, j'ai vachement aimé cette explication de plutôt que de rendre la plante flemmarde en lui donnant de l'eau, en lui faisant tout à sa place. De temps en temps, voilà, tu ne l'arroses pas tous les jours. Tu la laisses aussi se débrouiller à aller chercher l'eau par elle-même. J'ai trouvé ce conseil assez bon. Parce qu'après, il expliquait que si par exemple, tu l'arroses tous les jours et que, imagine, tu pars quelques jours en vacances, quand tu reviens, ta plante, elle a tellement été habituée à être arrosée tous les jours que bon, là, tu t'en es pas occupé, bam, elle est morte, quoi. Alors que si tu la laisses des fois, de temps en temps, se débrouiller, d'elle-même, ça la renforce. Et donc, je dis pas que je vais arrêter d'arroser mes plantes, hein. Je dis juste que je vais peut-être, voilà, l'arrosage, allez, une fois tous les deux jours. Qu'en pensez-vous? Ça me paraît pas mal comme idée, ça. Allez, c'est parti pour du sport. Je suis aventuré sur un petit chemin de terre pour faire mon sport. C'est joli. Je voulais juste vous montrer le décor. J'ai rien à dire. Je voulais juste vous faire partager ce beau chemin. Voilà. Moi, je vais continuer ma course là-bas. Et je voulais juste vous dire à quel point c'est beau la nature. En soirée au Bitbourg, j'ai vu quelques serpents. Ils commencent à sortir. Après, c'est pas bien méchant un serpent. Il suffit de pas l'attaquer et pas lui marcher sur la queue. Avant de faire des vidéos de jardinage, moi, je faisais des tutos cinéma. J'expliquais aux gens comment faire des bons scénarios, bons films, bien filmés, bien montés. Bref, faire des effets spéciaux. D'ailleurs, sachez, en cette période de confinement, si vous voulez vous perfectionner dans la vidéo ou le montage, du moins vous former, même si vous partez de zéro, j'ai fait une formation complète de A à Z où je vous explique tout, hein. Où trouver les logiciels, combien ça coûte, ceux qui sont gratuits, comment faire du montage image, comment faire du son, où trouver des musiques, rajouter des titres, des effets spéciaux. Bref, je vous mets le lien de cette formation en ligne dans la description. En termes de prix, je suis le plus bas sur le marché. Et en termes de qualité, je suis pourtant le meilleur. Sachez qu'à un moment donné, sur tout le YouTube francophone, j'étais numéro 1. Je dis j'étais parce que si vous voulez, depuis, j'ai plus entretenu ce truc. Donc je suis redescendu. Je vais pas rentrer dans les termes techniques, mais on appelle ça le SEO. En gros, c'est quand tu tapes
dans le moteur de recherche Google, c'est les premiers qui apparaissent. Bah, j'étais le numéro 1. Juste par simple recommandation, parce que les gens étaient très satisfaits. J'ai l'impression de faire une vidéo de dropshipping. Hey, toi aussi tu veux avoir ma vie, te lever le matin et ne plus jamais avoir à travailler? Toi aussi tu veux des putes et un yacht? Ok, alors fais comme moi, adopte ma méthode. Non, non, moi, les gars, c'est pas de l'arnaque. Vous pouvez demander à ma communauté qui est sur cette chaîne d'ailleurs. Poser les questions, ils pourront vous certifier que j'étais le numéro 1 et le meilleur. Et que je le suis toujours. Donc cette formation est en ligne. Bref, ce que je voulais vous dire du coup, c'est l'occasion là pendant le confinement. Vous avez du temps à perdre et formez-vous intelligemment. Donc allez voir cette formation, vous ferez des vidéos de haute qualité. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que là, j'ai envie de profiter de ce joli décor pour vous montrer la différence entre une photo classique et une photo HDR. Bon, là, peut-être qu'il y a plein de vidéastes qui savent déjà, mais bon, je le dis pour les autres. Je dis pour les jardiniers qui me font la morale dans mes vlogs, genre ouais, tu sais pas jardiner. Bon, ben au moins, je vais vous apprendre un truc parce que vous, je pense que vous savez pas prendre deux photos. Prendre deux photos, une version normale et une version HDR. Alors, première photo en face de moi. Voilà, donc là, ce que vous voyez là, c'est une photo normale en mode automatique. Maintenant, je vais prendre une seconde photo qu'on appelle HDR. HDR, ça veut dire High Dynamic Range. Ça va prendre deux photos, une extrêmement sombre et une extrêmement lumineuse. Ça va me les combiner ensuite. Comme ça, j'aurai du détail aussi bien dans les zones très sombres que dans les zones très lumineuses. Donc, vous allez voir la même photo, mais en HDR du coup. Tada ! Voilà, donc là, vous avez du High Dynamic Range. Donc, peut-être que vous vous en rendez pas compte sur le coup, la différence. Maintenant, je vous mets celle sans le HDR et l'autre avec le HDR. Voilà, et là, vous voyez très nettement qu'il y en a une qui est beaucoup plus jolie. Oh, mais regardez-moi ce que nous avons là. Du magnifique genêt. L'ami de tout bon randonneur qui se respecte. J'ai toujours trouvé cette plante super jolie. En plus, le genêt sort au printemps. Parce qu'au printemps, il y a tout qui renaît. Il naît, tu nais, je nais. Sachez que le genêt est une plante relativement toxique. Donc, il faut l'utiliser avec prudence, si vous voulez l'accueillir. Et vous en servir dans vos recettes de phytothérapie. Vous serez peut-être intéressé de savoir que le genêt est très utile et très efficace contre les morsures de serpents, de vipères. C'est un antivenin. Parmi les quelques bêtes qui mangent du genêt, il y a les moutons. Et les bergers se sont rendus compte que les moutons étaient plus résistants aux piqûres de vipères. Et du coup, ils en ont conclu que c'était parce qu'ils mangeaient du genêt. Et en effet, il y a des études qui ont prouvé que le genêt contenait un antivenimeux fort appréciable. Du coup, comment faire? En plus, tout à l'heure, je vous parlais de serpents. C'est marrant, comme quoi je viens de calculer. En fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de serpents et là, je suis en train de vous parler d'antivenimeux. Les deux sortent à la même période, quoi. T'as les serpents qui sortent là au printemps, bah, t'as l'antivenin aussi. Il faut ramasser la tige avec la fleur jaune, prendre des petites branches. Vous faites bouillir tout ça et vous malaxez toute cette mixture. Vous faites ce qu'on appelle un emplâtre que vous vous appliquez ensuite sur la piqûre de serpent. Et ce sera une utilisation intelligente du genêt. Je voulais faire un petit petite gueulante. C'est pas un petit coup de gueule, mais c'est une réaction. Dans le vlog, pas celui qui est sorti hier mais avant-hier, celui où j'explique comment faire du fromage, du moins le début, avec le chaudron où je mets le lait, je fais un feu dans les bois. Il faut bien comprendre que ce vlog, il est en deux étapes. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la partie cuisine, préparation, où je mets le citron et tout ça. Et après, c'est seulement dans le vlog qui est sorti hier, donc le lendemain, où on voit que le fromage, j'ai réussi à le faire. Voilà, je rajoute les épices, le parfum, et après on le déguste. Ben, j'ai réussi à faire du fromage. En gros, c'était un tuto fromage. Sauf qu'au lieu qu'il soit en une seule vidéo, il était sur deux vidéos, tu vois. Vlog numéro 1, vlog numéro 2. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous mets les fiches ici, comment faire son fromage en mode survie. Mais le truc que je voulais rebondir, il y a vraiment des gros fils de pute, que je vois pas d'autres mots en fait, qui ne peuvent pas s'empêcher de commenter avant d'avoir vu le résultat final. Ils ont regardé le premier vlog, celui où à la fin je dis un peu désespéré, genre bon bah j'espère que ça prendra, on verra ça demain. Donc tu sais, en plus je dis la suite à suivre, on verra ça demain. Et il y en a qui de suite jubilent devant leur écran et qui disent ah il s'est chié, vite, vite, faut que j'aille lui dire, ah faut que j'aille me sentir puissant, ah je jubile, oh oui je suis plus intelligent. C'est sûr, grosse merde, que quand t'entreprends rien dans ta vie à part regarder des vidéos sur YouTube, tu peux pas te rater, mais sache que tu ne peux rien rater vu que déjà toute ta vie est ratée. Donc je reçois des commentaires du style, ah la loose, tu t'es raté ton fromage, ah l'autre il sait pas faire du fromage, eh. Mais comme si tu savais faire du fromage, je suis sûr que tu savais même pas la moitié de ce que j'ai dit dans la vidéo de comment faire son propre fromage. Toi t'es persuadé que le fromage ça se trouve directement au rayon frais de Carrefour, tout juste si tu savais que ça venait d'une chèvre à la base. J'ai vraiment eu beaucoup de commentaires, tu sais, qui sautent sur l'occasion, qui vont attendre la moindre faille, mais c'est même pas des failles, quoi. Qui vont attendre la moindre truc pour faire genre, pour bien t'enfoncer, tu sais. C'est des gens qui ont besoin, comme ça, d'écraser pour se sentir genre, ah, je suis content. Je lui ai fait prendre conscience qu'il savait pas faire du fromage. Au cas où il avait pas remarqué.
des putains de cassos avec zéro neurone. J'ai l'impression qu'ils oublient que c'est moi-même qui fais la vidéo. Tu sais, ils oublient que c'est moi derrière qui suis au montage et que j'ai volontairement laissé l'impression d'avoir raté pour créer du suspense et pour que le lendemain on découvre que ah putain, mais non, en fait il a réussi son fromage. Donc au lieu de commenter super vite là et en plus de marquer de la merde, déjà arrêtez de toujours vouloir commenter et participer uniquement quand c'est pour souligner du négatif. Vous pouvez très bien aussi souligner les autres points positifs. Eux, ils réagissent que quand il y a, tu sais, ce truc d'écraser quoi, genre attends vite, c'est l'occasion, c'est mon moment de gloire, je vais me sentir plus intelligent que tout le monde. Sauf que ces grosses merdes, ils sont pas foutus de s'exposer, de proposer des choses, ils sont pas foutus de faire des vidéos. Quand souvent je clique sur leur pseudo de merde, parce que souvent des pseudos avec des chiffres à l'intérieur, et que je vais voir un peu leur chaîne YouTube pour me dire mais d'où il a le QI nécessaire pour me mépriser celui-là, et que je découvre que les mecs, ils ont une chaîne YouTube avec une vidéo qui a zéro vue, c'est-à-dire qu'eux-mêmes vont pas voir leur propre chiasse audiovisuelle, tu te dis ouais non, mais en fait faut vraiment pas que je prenne ces commentaires à cœur, c'est vraiment des cons. C'est que le mec, il croit que je ne maîtrise pas ce que je publie sur internet. Parce que sûrement lui ne maîtrise pas son image en temps normal. Dans la vie de tous les jours, il maîtrise rien. Mais si tu veux, il se dit trop nul, tu sais pas faire du fromage. Bah oui, mon con, mais je veux dire, si je l'ai laissé dans la vidéo, c'est bien parce que je savais où ça allait mener derrière. Et puis quand bien même, en fait, quand bien même mon fromage, je l'aurais raté. Imaginez que j'aurais vraiment raté mon fromage. Et alors, est-ce que c'est pas drôle justement que je m'en branle, j'en sois détaché, je vous fais une vidéo qui vous divertit? C'est pas l'important, c'est pas l'objectif final, c'est pas le fromage tête de gland, c'est le chemin, c'est l'aventure pour faire tout ça. C'est ça qui est marrant et qui est intéressant. Donc voilà, je voulais simplement souligner ces connards qui en fait réagissent beaucoup trop vite. Mais l'espèce humaine, des fois, je perds foi en l'humanité parce que franchement, le Covid-19, mais t'as envie que ça te balaye tout ça, t'as envie que ça te nettoie. Faut tirer la chasse à un moment donné, faut que la merde se décroche des parois quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que j'attends pas qu'on m'applaudisse tout le temps, qu'on me dise ah c'est génial, c'est trop bien tes vidéos. Non, je comprends que des fois on peut un peu critiquer en mode ouais, ton jardin j'aurais plutôt fait. Mais quand c'est des commentaires constructifs et intelligents, ok. Mais c'est exactement comme la vidéo où j'avais fait un arc et qu'il avait pété dès le premier tir. J'avais une ribambelle d'handicapés mentaux qui sont venus immédiatement. Mais je le savais en plus, au moment où j'ai... Quand mon arc a pété au moment du tournage, je me suis dit, bon Céleste, tu as un peu d'orgueil, tu as un peu de fierté comme tout le monde. Ton arc il a pété, qu'est-ce que tu fais? Sauf que moi les gars, j'ai de l'humour, j'ai de l'autodérision. Moi il y a rien de plus qui me fait rire qu'un mec qui fait du survivalisme, qui pendant 15 vidéos apprend à faire un arc et que son arc pète dès le premier essai. Moi je trouve c'est mort de rire. Il y a un côté humain, il y a un côté puis un côté, tu vois, j'ai pas honte de mes faiblesses, que genre putain merde, mon arc c'est la merde, il a pété. Je trouve ça super drôle. Donc je l'ai laissé volontairement parce que ça me faisait rire et je me suis dit ben les gens vont peut-être se marrer parce que ça c'est vraiment ridicule. J'en ai conscience derrière moi de ça. Au moment où je le laisse au montage parce que j'aurais pu ne pas le mettre. J'aurais pu pas mettre la scène où mon arc pète et faire croire que tout a bien marché. Tu vois, j'aurais pu sauver mon honneur ou ma fierté. Mais non, parce que moi j'ai pas de la fierté mal placée, je m'assume intégralement. Et ben je savais qu'il y allait avoir des gens qui allaient me dire ouais, trop de la merde. Ton arc, il a pété. T'es là, mais oui, tête de bite, c'est ce que je suis en train de te dire. Et voilà, c'est comme là, je pense à un gros tas qui commentait quasiment chacune des vidéos, mais à chaque fois dans ses commentaires. Faussement gentil. Tu sais, il essaye d'être sympa, mais en fait, à chaque fois, il essaye de te balancer une petite pique, une petite réflexion. Mais tu sais, sous prétexte de bienveillance, ça, c'est les pires. Hein, parce qu'à la rigueur, je préfère un Kevin 12 ans qui va juste marquer genre, t'es un connard. Tu vois, je préfère le commentaire un peu bébête comme ça, où tu sens que derrière, bon, il n'y a pas la lumière à tous les étages. Tu pardonnes presque. Tu dis, bon, il est bébête, il sait pas ce qu'il fait. Tu vois, tu lui donnes une croquette et un bol d'eau, puis point, t'en parles plus. Que si tu veux, celui qui essaye vraiment d'être faussement compatissant, celui-là, mais je crois que c'est les pires. Donc, tu sais, c'est genre, à chaque vidéo, il essayait vaguement de déstabiliser ou de faire croire que tout est faux, t'es du style à un moment dans mes vlogs je parle derrière moi de temps en temps quand je parle on voit ma bagnole qui est garée au loin et en fait il y a beaucoup de gens qui ont remarqué qu'il y avait une sorte de bâche, c'est une bâche sous laquelle je stocke du bois pour l'hiver, tu vois, il y a rien de magique hein. C'est le genre de commentaire que j'ai, c'est genre ouais pas mal ton bunker, peux-tu m'expliquer pourquoi il y a deux voitures derrière toi? T'es là mais c'est pas possible, quand tu regardes une vidéo je passe ta conscience mais faut avoir les yeux ouverts, faut pas faire une crise d'épilepsie devant mes vidéos hein. Le mec, c'est-à-dire il confond une bâche avec une seconde voiture. C'était ce genre de commentaire où à chaque fois c'était genre j'ai remarqué tes montages ils sont vachement cutés. Tu tournes combien de fois tes prises pour réussir à dire une bonne phrase? T'es manière de dire tout est faux quoi. Genre tout est mis en scène, en fait je parle pas spontanément devant la caméra quoi. Genre je tourne, puis je retourne, puis je retourne, puis après au montage je viens couper. Et tu sais t'es là mais non tête de bite, en fait ce que je coupe au montage c'est les blancs. Vous voyez ce genre de silence? Alors je suis conscient que des fois ça fait du bien de couper des blancs, à laisser un peu respirer la vidéo, sauf que vu que j'ai pas envie que mes vidéos soient trop longues,
Bam, 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 je coupe tous les blancs, les hésitations, quand je bégaye. Et du coup, je crois que ce genre de commentaire, t'es faussement gentil, où en fait la personne derrière essaye à chaque fois de te contredire. Tu sais, c'est exactement le même genre de connard qui commentait genre... Hein ? Tu plantes seulement tes graines maintenant ? Bah oui, connard, tu voulais que je les plante quand ? Avant, il y avait les gels et les giboulées de Mars. Il commente pour commenter, mais c'est toujours dans une optique de te déstabiliser. Et ça, c'est les pires, les gars, parce que c'est ce qu'on appelle les hypocrites. C'est ceux qui pompent toute notre énergie. Vous voyez, là, par exemple, la preuve, au lieu de vous parler d'un truc un peu plus léger, un peu plus gay, je vous parle de ces sous-merdes à qui on devrait même pas accorder la vie, tout simplement, juste point de barre. Vu que je lis tous les commentaires, forcément, des fois, je tombe sur leur chie de mouche qui viennent polluer l'espace commentaire. Je suis dictateur là-dedans, j'en ai aucun scrupule, je m'en bats les couilles. Les commentaires comme ça, les gars, je supprime et je banne. Généralement, je lui réponds au gars un truc insultant du style « Écoute, pauvre merde, va niquer ta mère. » Pam, pam, clic droit, supprimer, ça dégage. Le mec, il est ban à vie. Et le pire, c'est que ce mongol me dit derrière « Ouais, j'adore tes vidéos, je les regarde tous les soirs. » Donc, tu sais, il sait pas lui-même où il est. Tu sais, c'est genre « Hein, je t'aime, espèce d'enculé. » Alors j'ai cliqué sur son pseudo de merde, il avait sûrement le mot permaculture, t'sais, un pseudo à rallonge. Et le mec a essayé de foutre tous les mots clés possibles et inimaginables dans son pseudo. Jardinage, permaculture, agricole, survie, complotiste. FR62. T'sais, il met son département et la France au cas où il oublierait lui-même d'où il vient. Quoi. Enfin bref, de toute façon, quand tu vois après les abonnements de cette personne, que tu vois, il est abonné à Bunker Sauvage, tu dis ouais ok, bon là il a eu un éclair de lucidité apparemment. Et après il est abonné à NRG12, touche pas à mon poste. Et Cyprien, tu dis ouais bon ok, ça vole pas très haut. Je crois que je vais abandonner le projet, ça sert à rien de rentrer dans de la discussion avec ces gens-là, quoi. C'est juste de la perte d'énergie. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule qui était finalement assez long. Je suis parti dans tous les sens. Désolé, c'est pas très agréable les coups de gueule, mais c'est juste pour dire que ça, là pour le coup, l'histoire du fromage, ça m'a vraiment saoulé, quoi. Le truc, je fais une vidéo de fromage short, tout va bien. C'était juste, fallait attendre deux vidéos, les amis. Et il y en a, ils peuvent pas s'empêcher de balancer leur venin comme ça. Mais bon, comme disait ma maman, la bave de crapaud que tu craches n'atteint pas la blanche colombe que je suis. On va monter dans mon refuge, ma petite cabane. Ça fait un petit bout de temps que j'y suis pas allé. Yes. À cette heure-ci, c'est un des, pas des seuls, mais un des rares endroits où je peux prendre de la hauteur et venir un peu récupérer du soleil, venir lui dire au revoir. À demain. J'adore monter ici. Du haut de ma petite tour, je peux surveiller tout mon bunker sauvage. Les allées et venues sans être vues, en mode sniper. Là-bas, il y a le bunker sauvage. En fait, l'unique route vient ici. Et là, bon, j'appelle ça le circuit Paul Ricard, moi. C'est en gros un endroit qui permet juste de faire demi-tour. C'est un cul-de-sac, en fait. Et après, il n'y a plus rien. Là-haut, bon, là-haut, c'est la route qui mène au poulailler. C'est le parking, c'est là où je me suis garé. Mais c'est un cul-de-sac. Je veux dire, cette route mène nulle part. Et celle-là, ben, on retourne là-bas, quoi. Voilà, donc ça, c'est mon circuit Paul Ricard. Et en parlant de Ricard, que j'irais bien faire l'apéro. Ah ouais, ça serait pas con, c'est un petit apéro ici, là. Faut que j'aille me chercher une bière. Oh, l'alcoolique. Ah, je vais me chercher une bière et ma guitare. Je vous laisse tout seul ici avec ma caméra. Allez, je descends. Et me voici de retour à la maison. Hier, mon pote Max m'a amené des cigarettes. Ça va faire plus de 3 semaines que je n'ai pas fumé. Je suis pas un gros clopeur de base. Paraît-il que c'est mal de fumer, mais bon. Hey, à la vôtre. Je voulais vous remercier d'être présent tous les soirs à 20h, d'être de plus en plus nombreux. Je reçois des commentaires, les amis, qui me font vraiment chaud au cœur tous les jours. Il y a vraiment des personnes qui prennent le temps en plus d'écrire des énormes pavés. Vraiment, qui développent leurs arguments, leurs commentaires. Et ça me fait plaisir de voir que ça crée autant de participation. Je lis tous les commentaires, je vous rappelle. Tous les commentaires, je les lis. Qu'ils soient positifs ou négatifs, je les lis tous. Mais je n'ai pas, hélas, le temps de pouvoir y répondre.
Pour être franc avec vous, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir filmé quelque chose d'exceptionnel, quoi. J'ai vaguement parlé ce matin avec mon téléphone, j'ai fait un petit coup de gueule en allant faire mon sport, sur les commentaires négatifs. Là, je ressors, j'ai fait un peu de montage tout à l'heure. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, concrètement, j'ai pas fait un truc de survivaliste, de bushcraft, de preppers. J'ai pas fait un gros truc de ouf. Je peux pas, si vous voulez, tous les jours, vous sortir une vidéo de grosse ampleur, du style on va faire du fromage, on va faire de la viande séchée, on va s'entraîner à tirer, je vais fabriquer un arc. Si vous voulez, il y a des thèmes comme ça que je peux sortir de temps en temps, mais je peux pas tous les jours être dans ce rythme-là. Parce que, par exemple, aujourd'hui, je me suis levé, j'étais à deux tensions et j'avais pas l'énergie. Aujourd'hui, j'ai dit, oh là là, Céleste, tu vas pas non plus te crever, tu vois. Vas-y, mollo, c'est pas grave si ton vlog il sera moins long que d'habitude ou s'il est moins intéressant. Donc aujourd'hui, j'ai bien peur que ce soit un vlog vachement centré sur du blabla. Mais je vous rappelle qu'à la base c'est un peu le concept du vlog hein. Parce que c'est moi, j'essaie de temps en temps de vous rendre ça un peu plus intéressant en créant une activité du style on va fabriquer une cabane, on va apprendre à faire du feu, on va faire ci, on va faire ça. Mais il y a des fois où j'ai juste flemme, aujourd'hui j'ai envie de me la couler douce dans mon confinement donc c'est le vlog d'aujourd'hui. Parce que je vous cache pas qu'une vidéo par jour c'est prenant. Mais c'est surtout prenant à ce rythme là. À la rigueur si je faisais une vidéo par jour mais en mode juste un face cam posé sans montage, juste je parle comme ça pendant une heure, ouais c'est faisable, mais moi j'essaie quand même de rendre ça un peu péchu, un peu dynamique, un peu intéressant. Et c'est ce truc-là qui fait que c'est prenant. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ont rejoint la page Tipeee. Donc Tipeee, si vous connaissez pas, en gros, c'est un endroit où on peut soutenir les créateurs. Sachez, les gens qui ont fait un don là-bas ou qui comptent en faire un, sachez que vous ne soutenez pas seulement la chaîne Bunker Sauvage. J'ai d'autres chaînes YouTube. J'ai une chaîne qui s'appelle Céleste Grande, sur laquelle je fais du court-métrage, des films, des web-séries. J'ai une chaîne qui s'appelle Oxo, sur laquelle je fais de la musique. Voilà, je fais de la musique électro, qu'avec des vieilles machines analogiques. Je fais des clips aussi, du coup. Et j'ai une chaîne qui s'appelle Evidence, où je fais de l'urbex. C'est-à-dire, je vais visiter des lieux abandonnés, je raconte l'histoire du lieu, et voilà, c'est une sorte de documentaire axé sur le thème du paranormal. Voilà. Et en fait, quand vous faites un don sur Tipeee, vous soutenez et financez l'ensemble de mes créations, pas seulement Bunker Sauvage. Je rappelle que si jamais vous voulez faire un don, vous ruinez pas, faites pas un don ponctuel, faites pas juste un don une fois. Honnêtement, je préfère une petite somme, mais qui est mensuelle, tous les mois, c'est l'intérêt de Tipeee, qu'un gros don une seule fois. Parce qu'en fait, un don mensuel, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de communauté. C'est-à-dire que ça me montre que sur Tipeee, il y a une communauté qui s'agrandit et ça me fait chaud au cœur, moi, de voir cette communauté-là grandir et de voir que c'est des gens qui sont prêts à investir de leur temps et de leur argent pour soutenir un vidéaste. Donc merci à vous. Hier soir, j'ai un pote à moi qui s'appelle Antoine, qui a toujours été abonné à ma chaîne, qui me regarde depuis très longtemps, et qui m'a envoyé lui aussi un journal de bord, un journal de confiné. Comme je vous l'ai dit, je vous l'avais demandé dans d'autres vlogs, vous pouvez filmer votre quotidien, votre semaine, ce que vous faites de votre côté pendant toute cette période du confinement. M'envoyez vos vidéos à cette adresse, filmsuperinfini@gmail.com. Envoyez-moi tout ça via WeTransfer. Et de temps en temps, je les passe dans les vlogs. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Antoine m'a écrit, il m'a envoyé sa petite vidéo. Et vous allez voir qu'elle est excellente pour deux raisons. Parce que la première, on voit simplement comment se passe le confinement d'un point de vue d'une nouvelle personne, autre que moi. Deuxièmement, Antoine, on est passionné par les mêmes choses. Il se revendique pas survivaliste ou tout ce genre de trucs, mais il aime bien tout ce qui est un peu, voilà, l'autonomie, la permaculture, le jardinage, on a un peu les mêmes passions. Et du coup, Antoine et moi, on est des potes de longue date. Et là, il m'a envoyé une vidéo, il m'a dit « Tiens Céleste, si t'en as besoin pour tes vlogs, je te montre mon jardin. » Donc il m'a envoyé une vidéo de son jardin qui fait clairement rêver. Vous allez voir, son jardin est magnifique, très beau, très fleuri. Il y a déjà beaucoup de choses. Il s'y est pris en fait en avance par rapport à moi. Mais c'est pas seulement il s'y est pris en avance en histoire de moi. Il s'y est pris surtout en avance depuis des années. C'est-à-dire que lui, ça fait plus de 3 ans qu'il est dessus. Ça se voit. Ça se voit, son jardin est bien organisé, bien rangé. Tout est bien calculé, tout est bien pensé. Vous allez voir qu'à côté, moi, mon jardin, c'est Pipo et Molo font du ski. Merci encore Antoine pour ta vidéo. Et si vous voulez, vous aussi, m'envoyer votre vidéo, pas seulement le jardin, de tout ce que vous voulez. Hein. N'hésitez pas à le faire à cette adresse. Allez, je vous passe la vidéo d'Antoine. Petit tour du jardin. Hop. Donc là, c'est mon côté. Et là, c'est le côté du grand-père. Putain, en fleurs, du romarin, de la bourrache. Délicieux. Ça, c'est blette. Le lamier pourpre. C'est une plante sauvage, mais qui est comestible, qui est très bonne. Du blé pour les poupoules. Là, il y a quelques fraisiers, encore des blettes, encore du blé, avec des fèves en fleurs, tout le long.
Voilà, il n'y a rien. J'ai planté des patates là. Là aussi. Là, on a du bon plantain lancé au lait. Excellent aussi. Pour tout, pour se guérir, pour manger. La menthe. Du céleri. Non. Du fenouil. Merde. C'est de l'orge ça. Cassis, groseille là-bas. Ça, c'est des fleurs. Un petit pois qui me fait des jolies fleurs. Merveilleux. Des choux. Avec une petite pollinisatrice. Pareil, qui va me faire des petites graines. Là, c'est un bouton à tous les stades. Là, c'est les fleurs qui ont éclos. Et on descend, 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 descend. Et là, voilà ça, là. C'est là-dedans qu'il va y avoir les graines. Encore un petit pois. Des navets. C'est 1m50 là, facile. Pareil. C'est la même famille que les choux, donc on a les fleurs. Tiens, qui se transforment après, est-ce qu'on les voit là? Les toutes petites capsules, voilà, dans lesquelles il y a les graines. Là, on voit le navet. Un gros navet noir. Un autre navet énorme, avec une grosse raie au milieu. Une fois qu'ils sont montés en graines, évidemment, on ne peut plus les manger. Mais l'avantage, c'est qu'on récupère plein de graines pour pouvoir en replanter d'autres l'année d'après. L'oseille. Ici, une betterave qui est assez grosse. Pareil que j'ai laissé pour la graine. Ici, on a des fèves. Là, tout le long, c'est des fèves. Voilà, il commence à y avoir une petite... Ça, c'est des petits plants de pois chiches qui poussent pour lâcher des bonnes caisses. Là, il y a des patates là-dessous. C'est un noisetier. De l'ail. Mini petite serre. Avec la sauge. Un effilier. Là, il y a une noix. Enfin, il y a une noix. C'est en fait le noyer en train de pousser. Des fèves. Ah ouais, voilà. Elle était vachement en avance. Du coup, j'ai une belle cosse de fèves. Ça, je sais pas ce que c'est. Mais c'est très joli. Du coup, je le laisse. Parce qu'on va le voir, lui. Petit crâne de mouton. Et là, pareil, une autre petite serre. Que je peux fermer. Et là-dedans, on a un petit palmier, ouais, qui est pas en forme. Là, j'ai des mini bébés betteraves. Et là, tout ça, c'est des petites boutures que j'ai fait de groseille, cassis, framboise. Où c'est la framboise? Pour faire ces petites boutures, c'est extrêmement simple. Quand c'est la saison, donc là, c'est pas la saison, vous coupez juste une branche, pas longue, hein, comme ça. Vous mettez dans un petit pot, il faut le garder bien humide, il faut pas que ça prenne trop le froid et ça pousse. Et ça vous fait un nouveau pied de groseille à l'infini, cassis ou autre. Là j'ai des cactus, des trucs de figuier de barbarie. Ah, c'est plein de petits pommiers et là-bas c'est un... Merde, je sais plus. Mais c'était un arbre, mais je sais plus. Si je l'ai mis, c'est que ça m'intéressait, mais bon, vu que je me rappelle plus, il va falloir que j'attende un peu qu'il soit plus grand pour m'en rendre compte. Un oignon. Lui il est gros. De la mélisse, ça c'est trop bon quoi. Ça sent, c'est une odeur citronnée. C'est excellent. Ça c'est de la ronce sans épines. Tout ce qui part là, hop, qui monte. Qui fait des mûres grosses comme ça, là, grosses comme un pouce. Et qui sont un peu moins bonnes que les mûres sauvages, mais bon, c'est très agréable quand même. Il y a encore une betterave énorme qui me fait plein de belles tiges et qui va me faire. Oh. Des bébés, des petites graines. Oh bonjour. Pour récupérer les graines et replanter des betteraves. Alors là c'est fan de betteraves. Ça peut se manger comme des blettes, comme des épinards. C'est un peu plus poivré. Mais c'est très bon. Toujours, bon voilà, on a fait le tour. Voilà voilà. Pour ce coin là. Et voilà la belle récolte. Alors ça, c'est de la lierre. C'est une plante sauvage comestible. Des blettes. Ça c'est des fans de betteraves, du plantain, des œufs, voilà, de quoi bien manger. Papé, qu'est-ce que tu penses du Covid-19 toi? Du quoi? Du Covid-19. Qu'est-ce que c'est, Covid-19? La maladie. Oh, j'en sais rien. J'ai pas peur. Ça te fait pas peur? Hein? Ça te fait pas peur? Peur, qu'est-ce que j'ai peur? Voilà, vous avez vu, c'est un très beau jardin, il a vraiment beaucoup de variétés de fruits, de légumes, d'arbres, de tout quoi, de plantes aromatiques. C'est un jardin qui fait un peu rêver, j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout à la même saison quoi. Moi je viens tout juste de sortir de l'hiver, il n'y a encore rien, lui j'ai l'impression qu'il est déjà en plein milieu de l'été, c'est déjà ultra dense, ultra fleuri.
Dédicace Antoine à ton grand-père, j'espère qu'il se porte bien, qu'il m'a bien fait rire en tout cas dans ta vidéo. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est incomparable. Le jardin d'Antoine est incomparable avec mon jardin. Bien que sur le coup, je vous cache pas que quand j'ai reçu sa vidéo, il y a ma fierté qui m'a fait dire genre ouf. Ouch. Moi, mon jardin, à l'heure actuelle, c'est juste de la terre retournée. Hein. Mais voilà, c'est comme ça. C'est, je veux dire, je m'en fiche, en fait, tout ça. Moi, ça me fait plaisir. Et pour conclure, j'aimerais vous lire une citation du père de la permaculture, qui s'appelle Masanobu Fukuoka, qui, en une phrase, a très bien résumé ce que je pense du jardinage. Le but ultime de l'agriculture n'est pas la culture des récoltes, mais la culture et la perfection des êtres humains. C'est une manière de dire qu'en travaillant la terre, en se rapprochant de la nature et donc du respect de la vie, la première chose qu'on fait pousser avant de faire pousser des légumes ou des fruits, c'est la petite graine qu'il y a à l'intérieur de nous qui nous amène dans la joie, le bonheur et qui nous rend meilleurs. Donc lancez-vous dans n'importe quel projet. N'hésitez pas à vous déconnecter de tout ce qui est virtuel et numérique pour vous reconnecter au concret, au réel et donc à la nature. Je vais m'arrêter ici pour ce vlog. Je vous donne rendez-vous demain soir ici sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage pour un nouveau vlog. Rendez-vous à 20h, c'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao! J'ai parcouru nos collines.